La vraie richesse, c'est la connaissance. Vous ne me croyez pas? Écoutez son histoire. J'ai démarré mon entreprise avec 5000 francs CFA que ma mère m'a donné pour acheter les céréales et dans ma cuisine à domicile. Ce n'est que 4 ans plus tard que j'ai pu concrétiser ce projet. Je vous présente Madame Alimata Koulibaly, directrice générale de GLP Les Précuits. Après plusieurs tests dans ma cuisine, à mon domicile, j'ai compris que Les Précuits GLP est un projet d'avenir. Alimata Koulibaly est titulaire d'un bac T et diplômée en chimie-biologie. Ses compétences scientifiques et son abnégation au travail lui ont certainement permis de développer ses produits et de devenir une référence en Côte d'Ivoire dans la transformation de céréales. GLP Les Précuits, c'est avant tout de la cuisine rapide, du prêt à cuire. Les céréales principales du terroir ivoirien, dont le dégué à base de mil, la tchéké à base de manioc, le maïs, le soja, le couscous et le sorgho sont déshydratés et mis en boîte prêts à la consommation. Au départ, 2 employés. Aujourd'hui, GLP emploie une dizaine de personnes, dont des femmes et des hommes, qui sont spécialisés à des tâches bien précises. Je suis Traoré Maïmouna. Je travaille à GLP depuis 5 ans maintenant. Je m'appelle Kone Massara. Je travaille à GLP depuis 1 an. J'ai un niveau terminal G2. Ma maman travaille à GLP, mais elle a arrêté. J'ai pris sa place, ça fait 4 ans maintenant. Au-delà du personnel, Madame Koulibaly s'est également dotée d'équipements pour accroître sa productivité. Alors voilà, le séchoir en inox, tout en inox. Elle dispose aussi d'un espace de stockage pour répondre rapidement aux commandes. Madame Alimata a également bénéficié du programme She Trades Afrique de l'Ouest qui vise à améliorer les moyens de subsistance de 10 000 femmes travaillant dans les chaînes de valeur de la noix de cajou, du manioc et du karité en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays de l'Afrique de l'Ouest. Et pourquoi consommer GLP? Disponibilité, qualité, accessibilité. Gain de temps et bien évidemment, prix compétitif. Et l'objectif de GLP à court terme, c'est pouvoir déménager dans des espaces plus grands, pouvant accueillir plus de femmes, plus de machines et bien entendu, pouvant accroître la production pour pouvoir bien évidemment répondre promptement à la demande. Madame Koulibaly Alimata a gagné plusieurs prix suite à son activité de transformation agricole et elle a même reçu des félicitations du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, en 2019. La grande agro-industrie, c'est son rêve. Souhaitons-lui d'y parvenir. Consommez GLP.